Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la période de ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc, chers amis, on reprend le retour de l'exploration ratée du précédent épisode. Avec une certaine déception que j'avais eue vis-à-vis du fait que je ne pouvais pas aller aussi loin que je souhaitais, en tout cas, que je ne trouverais plus de choses intéressantes assez rapidement dans le jeu. On s'est peut-être fait voiler la face pendant quelques temps parce qu'on n'a pas fait d'exploration du tout. Bon, bah écoutez, notre faute, hein. Il n'y a pas de zone de conflit, bien dommage. On poursuit notre aventure. Encore 9 sauts à faire avant de nous rendre donc dans le système trône. J'ai intentionnellement choisi ce système aussi, hein, je tiens à le préciser. Sans savoir ce qu'il contient, mais juste pour le nom en fait. Bon. Hop, alors un petit coup de détection. On va faire le plein. En tout cas, on va essayer d'en faire un maximum. Ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le système? Rien du tout. Peut-être dans le prochain, on aura quelque chose. Hop. Warning, temperature critical. Fuel scooping complete. On bouge. C'est pas récupérable. Dommage, j'aurais préféré quelque chose avec un peu plus d'action. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. C'est parti. Alors. 4, 3, 2. Alors. Hop. Petit coup d'explo. Hop. 3. Quelque chose de vraiment intéressant? Non. Hop, la suite. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Alors. Est-ce qu'on va avoir plus de chance? J'ai pas l'impression qu'on va être très chanceux dans cette petite aventure d'exploration. C'est marrant. En tout cas, niveau carburant, on n'a pas eu trop de problèmes. Hop. Voilà. Nous voilà partis pour le suivant. Antliae Sector. Hop. Crac. Fuel scooping. Et rien toujours, on a vraiment pas de chance hein. C'est principalement un manque de chance hein. Excusez-moi. Je suis encore malade hein, c'est violent. Je suis malade depuis le 24 décembre. On est le 6. Enfin, c'est des restes, hein, d'accord. C'est pas aussi horrible que ça l'était au début. Et pourtant, je me soigne. Putain. C'est de la saloperie qui tient. C'est comme de la glace, c'est de la saloperie qui tient. Oh, il y a des choses là. Oh,
T'aurais pu nous prendre un truc, merde. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer jusqu'au bout. Hein. Three, two, one, engage. On a vraiment pas de bol en fait, hein. C'est juste ça. J'ai pas de bol en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Fuel scooping. Rien non plus, génial. Hop, c'est par là. Friendship drive charging. Hop là. Labre. Ah. Est-ce qu'on va trouver finalement? 4, 3, 2, 1, engage. Je suis en train d'essayer de chercher, hein. Je vous promets, je cherche, chers amis, sur... sur quelque chose d'être peut-être un petit peu plus intéressant au niveau d'une planète sur laquelle m'arrêter, mais c'est compliqué à trouver. Bien sûr. C'est un soleil de merde, hein, parce que quand je vois que j'étais à fond depuis le début et que j'ai réussi à me prendre des dégâts... Enfin bon, c'est pas grave. Frameship drive charging. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on est bon. 12 éléments, c'est toujours pratique. Hop. Cependant, je trouve rien de bien intéressant sur le reste, sur les planètes de type différentes. Alors, on en parlait de planètes de type glace. Peut-être que j'en ferai quelques-unes. Alors, normalement, le prochain système est anarchique. On devrait pouvoir aller s'amuser dedans. Alors, oui ou non? 4, 3, 2, 1, engage. Alors. Roulement de tambour. Alors, déjà, découverte. Fuel scooping. Ok, il y a un autre poste et il n'y a rien d'autre. Génial. Bon, on va essayer d'aller au poste, c'est pas grave. On verra bien ce qu'on va y trouver. Hein. Il est pas loin. Techniquement, ça devrait être intéressant. Je pense que j'irai peut-être faire un tour au niveau de la balise de navigation aussi à un moment ou un autre. Alors. Tout doucement. On y arrive tout doucement. On va voir comment on va réussir à revendre à cet endroit par contre. Ça peut être sympa. Niveau exploration, je veux dire.
Alors. En douceur. Alors vraiment en douceur pour le coup. Alors. Tout doucement. Hop. 3, 2, 1, 0. Hop, c'est parti. Attention. Crac, on est bon. Docking request granted. C'est parti. C'est parti, on va le laisser faire tout seul comme une grande. Ça passe, ça passe. Landing gear deployed. En douceur, la planète est jolie comme ça, hein. Rose, rose bonbon limite en plus. Alors, service de spatiopop. Croisez les doigts, chers amis, parce que bon, on a perdu du temps, je trouve. Franchement, je trouve que c'est une perte de temps, ce petit voyage. Alors, combien qu'on va se faire? Je dirais 20. Ça va, 100 000. Quand même. Ah, il y en a encore un peu plus. Ah, c'est cool. Bon, on s'est fait un petit pactole. Enfin, pour de l'exploration simple, on s'est quand même fait pas mal d'argent, même, je dirais. Pourquoi pas. Justement, en parlant d'exploration, est-ce que je devrais pas prendre le petit machin aussi? À tout hasard. Je sais pas. Dissipateur terminé, t'attends d'avis de recherche, survolteur de bouclier. Alors, ce truc-là, oui, j'en parlerai pas. Capacité 16. Si j'achète autre chose à la place. Donc on va reprendre la souris le temps 2. Type de module. Détecteur de surface détaillé. Vous voyez, il est là. Secondes et sel. Bon, c'est pas ici que j'achèterai, mais je voulais voir justement s'il y avait une portée. Effectivement, oui, il y en a une. Ouais, ça c'est pas top. Alors la peinture elle est mise. Alors les stickers, j'en ai quelques-uns après tout, pourquoi pas. Actuellement je suis quel grade au fait de... Je suis entrepreneur, donc ça peut être sympa d'aller voir ce qu'il y a au niveau entrepreneur. Entrepreneur est donc compétent, ça c'est un peu moins bien déjà. Et jolie remarque. Il est vraiment joli. Donc j'ai que celle-là. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Au niveau des contacts, j'ai rien à donner, rien à faire. Rien du tout. Ravitaillement. Rien du tout. Réparation, par contre, peut-être même pas. Ouais, donc c'est une assez grosse déception, hein, je l'admets. Ouais, une très très grosse déception. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux. Surtout que vous voyez que tout passe par là au niveau du système anarchique.
Ça aurait pu être intéressant. Hein. Chul, il y a combien d'habitants? Ah! Là, il y a beaucoup plus de monde. Économie de tourisme. Ah! C'est-à-dire qu'on risque de tomber plus sur des esclaves, en fait. Ça peut être intéressant, cependant. On y va. On y va, on y va. On verra bien, avec un peu de bol. Oh là là, pourquoi la marche arrière? Pourquoi la marche arrière? Cette explosion limite au moment de l'accélération, enfin du relâchage. Je peux appeler ça comme ça. Ok. Ok, c'est parti. On y va. Peut-être remonter un petit peu, même un petit peu. Voilà. Ah, pour bien nous cadrer. Et c'est parti. On va voir, hein, peut-être qu'on y trouvera plus de choses là-bas. Hein. Je pense que oui, avec là, il y avait 1500 habitants. Là-bas, on trouvera 370 000 déjà, dont... Je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Ouais, ouais, ouais. J'espère, en tout cas, puisque putain... On n'y est pas, bon, d'accord. Hop, qu'est-ce qu'on trouvera là-dedans? Fuel scooping. Rien. C'est une petite guéguerre dans le coin? Non plus. Eh ben on se casse. Frameship drive charging. Hop, à Choule. On verra bien, avec un peu de bol. On trouvera ce qu'on cherche. Il faut vraiment du bol. 4, 3, 2, 1, engage. Voilà, je pose un petit coup. Et vous êtes tranquille. Bon, bon, bon. Alors, est-ce que cette fois-ci c'est bon? Hein? Ah, déjà j'ai cru voir quelque chose d'intéressant au moment où on est rentré, déjà, dès le début. Alors. Zone de conflit forte intensité. Ben voilà! Tu vois quand tu veux le jeu. Et juste à côté, il y a Pierre-S Surveille. Ben voilà! Ah, the bonne nouvelle! Ne vous inquiétez pas, il n'aura pas pour aussi longtemps que ça, une fois qu'on sera sorti de l'orbite solaire, enfin de l'étoile, enfin de l'attraction, de la forte attraction de l'étoile, on sera bon. Alors. Alors, alors. On est quand même assez loin au final, hein. Je m'attendais à un peu plus de vitesse les gars. Est-ce que vous pourriez m'en donner un petit peu plus? Merci. Alors. Ça y est. On va avoir le droit à un petit peu d'action, chers amis. Hop, j'en profite. Voilà. Comme ça, pas plus. Alors. Alors, alors. Qu'on me donne de l'action. Enfin, j'aurais bien aimé atterrir cette planète. Malheureusement, c'est impossible, n'est-ce pas? Il semblerait que ce soit impossible, effectivement. Bon, de toute façon, elle est pleine de flotte, donc c'est impossible. C'est ça qui est vraiment dommage. Wow! Ok, tu veux te la faire comme ça, on s'arrête. Ok. Ok. Donc, tu permets. Parce
Excuse-moi, j'ai quelques armes à sortir, voilà. Non mais oh. T'as cru toi? C'est pas possible. Voilà. Merci d'être passé. Maintenant, sans vouloir te déranger, j'aimerais quand même me rendre sur place. Hop. Oh, mais il a cru. Oh là là. Oh, pauvre petit père. Il a pris tellement cher, pardon, oui, j'accélère pas dans le bon sens, effectivement. Hop là. Alors, on y va. Oh le bon garçon. Mais il y a cru, hein. Il a cru qu'elle allait y arriver. Eh ben, il a raté. C'est bête, hein. C'est vraiment bête pour lui. Alors. Alors. C'est parti. Oh bah ça se bat déjà. Alors, faction. Oh, Chul League. Je le sens bien ce nom-là. Oula. Je sens qu'on se fait déjà attaquer. Ok. C'est bête, hein. J'ai des tourelles. Ok, et de 1. Target destroyed. Oui, j'ai bien vu que je l'avais détruit, merci. Un piton. Ok, un petit peu de boost alors. La guerre fait rage, c'est dommage. Vas-y, vas-y, lâche tes paillettes. Pas de problème. Ok. Viens par là, petit père. C'est pas grave. Allez, vas-y. Oh, bah alors. Je suis trop près, c'est bête. T'as boosté, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, reviens. Oh, ils l'ont eu. Bon, bah, c'est déjà ça le prix. GG les mecs. Viper MK4. Tiens, j'aime bien ça. Je ne l'ai pas encore trop vu de près. Espérons qu'il ne le bute pas avant que j'arrive.
Ok. Bon. Mais t'es tout petit, toi. Hop. Oh mon pauvre, t'aurais jamais dû faire ça. Oh, l'erreur. Il est bien, bien, bien résistant quand même. Hop. Allez, reviens. Target shields online. Mais non. Target shields offline. Warning, temperature critical. Pardon. Je suis parti trop loin en plus, mais mes tourelles ne le tirent plus. C'est vraiment dommage. Et le voilà. Bah alors. Oh mince alors. Un Vulture. Allons voir. Ok. Bien joué. Ça n'aura pas suffi, mais bien joué. Hop. Target destroyed. Ouais, j'ai l'impression de manquer de puissance malgré tout, c'est marrant. Oh, bien joué. Excusez-moi. Ok. Il t'enfuira à point. Ah non, mais il revient vers moi en plus, pour l'outil. Alors, on a mal? Alors, et boum. Ok. Appelez. Alors, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui me tire dans le nez. Non, je vais en mettre un peu plus dans les... Hop, dans les boucliers. Même je vais aller... Hop. Voilà, je vais aller débrancher mon survolteur de bouclier pour pouvoir être sûr
remonte à une vitesse correcte. C'est bête, hein, les tourelles. Voilà, et un de plus. Target destroyed. Méchant ou gentil? Respect Explorer. Intrigant. Alors, tu es quoi, toi? Target shields offline. Il y a un mec que j'ai dû tirer avec mes tourelles qui a pris des dégâts avec mes tourelles et qui m'a donné sa tête littéralement. Ouh, je prends cher. Ok. Hors de portée au moins. Allez, on recharge les mecs. Excellent. Quelle violence. Il y en a encore un derrière moi. Hop. Under attack. Mais non. Allez, recharge. Hop, mes tourelles qui sont revenues devant. Un petit peu à recharger mon armement. Hop. On est prêt à y retourner. Hop. Il devait être par là, j'imagine. Allez, plus que deux tours. Allez. Parfait. Hop les. Là ils sont loin apparemment. Ceux-là un peu moins. Target shields offline. Hop. Tire autant que tu veux. Ok. Il peut falloir un lance-missile, hein, je sais pas. J'ai l'impression que les armes à énergie, c'est pas efficace du tout. Hein. Il est balèze, hein. Il est là. Mais non, il a pas de bouclier. Bah alors. Bonjour. Hop les. Je suis venu lui faire un high five au dernier moment. Ça lui a pas plu. C'est quoi ça? Cobra MK3, m'intéresse pas. J'ai pas eu mes sous pour mon anaconda. Soit il est encore en vie. Non. Il va être balèze celui-là.
Lui, il pue forcément. Il va me la mettre très profond. Hop là, je me suis mis derrière. En un tir, il a réduit tout ce que j'avais réussi à rechoper. Oh non. Moi aussi, j'en ai. Ok. Ok. Il cherche à m'avoir en face de lui. J'ai plus de batterie. J'ai plus de boost. Ok. Mes shields ne sont pas offline, pas encore. Faut que je change aussi parce qu'il est trop balèze pour moi. Ah, il a des paillettes lui aussi. J'en ai liché. Hop. Pourquoi pas des, ouais, des roquettes peut-être. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'y attaquer? Non, c'est un allié ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'y attaquer peut-être? Je sais pas. Normalement, il est en train de se faire attaquer par autre chose qui lui fait bobo. Un deuxième piton, ça peut être intéressant. Droit devant. Qui se fait défoncer d'ailleurs. Ok. Mais non. Allez. Feu. Ah putain, j'ai plus de bouclier. Ça c'est... Là j'ai pris énormément cher. Je vais perdre énormément de mobilité. Il en a encore après moi, le sac. Si je peux péter son générateur de bouclier, je serai content. Et... Pousse. J'aurais été plus rapide que toi à me retourner. Bien joué. Ok, c'est parfait. On y va. Ramène ton popotin! Oh la vache, il a pris cher d'un seul coup, non? Target shields online.
Mais non, dans tes rêves. Il n'a plus de bouclier cet homme. Je te promets, il n'a plus de bouclier. Regarde. Tu vois bien qu'il n'a plus de bouclier. Alors. Et... il est mouru. Hop les... Bah voilà une bonne chose. Bon, bah nous on va sortir de là maintenant qu'on a réussi à le faire. Hop, parce que cet épisode a duré beaucoup plus longtemps que prévu au final. Hop. On remet tout à sa place comme il faut. Et on se dirige par là. C'est parti. On peut penser qu'on n'a pas remis le survolteur du bouclier. C'est peut-être une chose à faire, ça aussi. Je dirais même qu'on a plus besoin de l'armement. Hop. Allez. Charge. Me dis pas que c'est à cause du moucheron qui est devant que tu charges pas. Bah si, c'était ça en plus. C'est parti. Oh, je suis pas à fond. Là, je suis à fond. 4, 3, 2, bon, on aura réussi à buter un anaconda avec beaucoup de mal, cependant. Est-ce qu'il faut pas que je rajoute de l'armement? Je modifie mon armement. Actuellement, j'ai deux canons, deux tourelles laser et trois canons laser. Est-ce que j'aurais pas plutôt avoir deux canons laser et une mitrailleuse, par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop. Par contre, on est trop près de l'astre. Du coup, on est très ralenti. C'est chiant. Ah, gna 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 gna. Alors, merde. Bouge-toi, le fion. Yeah. Ouh, tant bien que mal. C'est bon. C'est parti, gare-toi. Sois une grande fifi et gare-toi. On va avoir un petit peu de crédit dans la zone. Balise de navigation endommagée, tiens, c'est marrant ça. Alors, alors. Landing gear deployed. Hop, je vais d'avoir une très très bonne nouvelle que j'expliquerai dans une autre vidéo. On entre dans l'hangar, service de spatioport bien sûr. Hop, on se fait... On peut pas se faire réparer ici. Ah ah, c'est vicieux. C'est vicieux. Bon. Niveau des primes, on a 17 000. C'est rien. Récompense de combat, 336 000, c'est mieux. Bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, on fera trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.